Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de refaire deux vidéos pour conclure cette série sur le social juste ici. Je sais pas, la dernière fois le fait que j'ai eu mon visa, c'était il y a trois jours en arrière, ça m'a donné une bonne vibe par rapport à cette rivière. Alors cette fois-ci j'ai fait un petit peu plus attention au bruit, j'ai mis mon micro-cravate et je me suis pas mis parce qu'en fait il y a des endroits où il y a des sortes de, c'est pas des cascades mais des mini-stops qui font que l'eau coule beaucoup plus fort. Et donc ça fait beaucoup de bruit, donc aujourd'hui ça devrait aller beaucoup mieux au niveau du bruit. Alors dans cette vidéo je voudrais qu'on parle du concept, de comment faire une bonne première impression, ce qui est vraiment très très important. Je rencontre quelqu'un ou je rencontre un nouveau groupe de personnes, je sais pas, ça peut être cet été, vous arrivez en vacances vous partez en vacances avec des amis ou bref peu importe, ou à la rentrée vous commencez un nouveau boulot, ou à la rentrée je sais pas, vous intégrez dans un nouveau cercle pour une activité, bref comment je fais, ou même vous arrivez tout simplement, voilà, vous arrivez pour des rencontres éphémères, à la soirée d'anniversaire d'un ami, comment je fais pour faire une première impression forte? J'ai eu envie de parler de ça, j'ai eu vraiment envie de faire cette semaine sur le social, vraiment sur les fondations des dynamiques sociales, tout simplement parce que comme je vous ai dit, je pense que le rebond social qui va y avoir post-coronavirus va être tout simplement énorme, et je crois vraiment que si avant le coronavirus, vous n'aviez pas la vie sociale qui vous convenait. Pour moi, avoir la vie sociale qui te convient, c'est tout simplement que ta vie sociale soit plus une source de plaisir qu'une source de frustration. C'est vraiment le moment pour prendre des actions parce qu'il va y avoir des vents ascendants. Tout le monde va être content de refaire du social et c'est le moment d'en profiter. Ça serait vraiment dommage de passer à côté. Donc, on va parler de faire une première impression, mais on va en parler encore une fois, comme j'ai voulu le faire toute cette semaine, sous une optique vraiment fondation. C'est-à-dire que je pourrais vous donner quelques conseils pour, dans une situation précise, faire une bonne première impression, mais ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vraiment vous expliquer les fondations, le mécanisme en fait pour faire une bonne première impression. Parce que vous savez, en fait, quand vous connaissez le mécanisme, alors à ce moment-là, ça devient beaucoup, beaucoup plus simple. On peut poser des actions sur ce mécanisme. Je me souviens plus de cette phrase et je pense qu'elle est un petit peu d'actualité vu que je suis à côté d'une rivière où on dit « donne un poisson à un homme une fois et il mangera pendant un jour, apprends-lui à pêcher et il mangera toute sa vie ». C'est exactement ça, c'est exactement l'idée. C'est que si je vous explique exactement le mécanisme pour faire une bonne première impression, ensuite vous pourrez poser les actions dessus et c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors, je fais un bref rappel parce que c'est très important au niveau de la valeur sociale, au niveau des interactions sociales, de comprendre de comprendre vraiment la base des interactions sociales. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à regarder la vidéo d'avant hier. Je crois que le titre, c'est le concept le plus important pour faire exploser ton intelligence sociale. Je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Il y a un petit peu de bruit, je sais, c'est désagréable, je suis désolé par rapport à ça, mais c'est un concept essentiel, ce concept de la valeur sociale. Donc très rapidement, la vie sociale, ce sont des interactions sociales. Les interactions sociales, ce sont un échange de valeurs. En fait, on cherche dans notre vie sociale, dans nos interactions sociales, à avoir une valeur qui va être positive. Donc il y a deux types d'interactions, les interactions à valeur ajoutée, les interactions positives et les interactions à valeur négative. Et donc par rapport à ça, on va pouvoir déterminer deux types de personnes, les personnes qui sont des personnes de haute valeur sociale, c'est-à-dire qui apportent de la valeur positive à leurs interactions, et les personnes qui sont des personnes de basse valeur sociale, qui sont des personnes qui n'apportent pas de valeur positive à leurs interactions. Et la valeur sociale, c'est un concept très général en fait, puisqu'il y a beaucoup beaucoup de façons d'apporter de la valeur ou de ne pas apporter de la valeur, mais c'est tout simplement notre capacité en tant qu'être humain à détecter très rapidement si une personne en particulier va être une personne qui va apporter de la valeur dans ses interactions sociales ou si c'est une personne qui ne va pas apporter de valeur dans ses interactions sociales. Donc ça, je vous l'ai expliqué très rapidement, mais c'est la base que je vous ai expliqué. C'est tout ce qu'on a vu tout en détail dans la vidéo d'avant-hier. Si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, je vous conseille de regarder cette vidéo d'avant-hier. Alors, on va introduire un nouveau concept pour comprendre justement la première impression et le mécanisme qu'il y a derrière. C'est le concept de balance de valeur. Donc la balance de valeur, c'est tout simplement l'accumulation soit de valeurs positives, soit de valeurs négatives que vous allez apporter dans vos interactions, dans une interaction avec une personne, et qui va faire que la personne va vous évaluer comme quelqu'un de haute valeur sociale ou comme quelqu'un de basse valeur sociale. Vous arrivez à une soirée, vous êtes bien préparé, directement vous allez parler à quelqu'un, directement l'interaction, les gens voient que l'interaction se passe bien, la personne est en train ou les personnes sont en train de rigoler, votre balance de valeur commence à devenir positive, les gens vous évaluent comme quelqu'un de haute valeur sociale et ça commence vraiment à ajouter du plus. À l'inverse, vous arrivez à une soirée, vous n'êtes pas tellement
parfaitement à l'aise, vous allez commander un verre, vous parlez à personne et vous allez vous mettre dans un coin et vous commencez à regarder un petit peu ce qui se passe autour pendant 10-15 minutes, ben là c'est exactement l'inverse, votre balance de valeur commence à devenir négative, moins. Alors là je vous donne deux exemples pour que vous puissiez bien comprendre, mais évidemment il y a énormément de choses qui permettent d'ajouter de la valeur positive ou d'ajouter de la valeur négative. Il n'y a pas que les interactions sociales, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc c'est pour ça que tout ce qui concerne la valeur sociale fonctionne vraiment à plein régime, à plein régime quand les gens ne vous connaissent pas, tout simplement parce que votre balance est neutre et que vous allez pouvoir très facilement ajouter du plus et justement faire en sorte que les gens vous voient comme quelqu'un de haute valeur sociale. Il y a aussi quelque chose qu'il faut noter et qui est très important. C'est le principe du locking de valeur. Donc le principe du locking de valeur, qu'est-ce que c'est? Ça veut tout simplement dire que assez rapidement quand même, au bout de quelques interactions, au bout de quelques jours, de plusieurs fois où les gens vous ont vu, ce qui va se passer, c'est que les gens vont locker votre valeur. C'est-à-dire que si vous avez ajouté du plus, les gens vont locker votre valeur comme quelqu'un de haute valeur sociale. Maintenant, si vous avez ajouté du moins, les gens vont locker votre valeur comme quelqu'un de basse valeur sociale. Et à partir du moment où votre valeur sociale est lockée, à partir du moment où elle est cadenassée, donc locker ça veut dire cadenassée, ça devient beaucoup plus compliqué de la changer. Donc ça, il faut le savoir. Alors c'est possible, c'est toujours possible de changer la façon dont quelqu'un me perçoit, dont quelqu'un en particulier va me percevoir. Mais il faut savoir qu'il faut vraiment le vouloir parce que ça va vous demander énormément d'efforts pour des résultats qui ne vont pas être extraordinaires. Donc c'est possible, mais il faut vraiment le vouloir et je ne suis pas certain que ça soit extrêmement intéressant. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut comprendre en fait facilement le mécanisme qu'il y a derrière le fait de faire une bonne première impression. C'est tout simplement le fait de se dire « Ok, quand j'arrive dans cette situation, comment je fais pour démontrer de la haute valeur sociale ? Comment je fais dans cette situation particulière ? Je ne sais pas, je vais arriver à une soirée, je vais rencontrer des gens ou je m'intègre dans un nouveau groupe ou je suis dans un rendez-vous amoureux, etc. etc. » Comment je fais concrètement pour pouvoir démontrer de la haute valeur sociale? Comment je fais pour ajouter du plus à ma balance de valeur? Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous faites ça, vous allez forcément faire une forte première impression parce que le fait de faire une forte première impression, c'est avant tout le fait que les gens vous évaluent comme quelqu'un de haute valeur sociale. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous prenez l'habitude de faire ça, votre vie sociale va totalement changer en fait, tout simplement parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver dans des interactions, vous allez faire du plus, et la fois d'après, si c'est des interactions un petit peu plus longue durée, que vous revoyez les gens, vous allez pouvoir refaire du plus, et encore du plus. Et ce qui va se passer, c'est que les gens vont locker votre valeur comme quelqu'un de haute valeur sociale, et à partir de ce moment-là, je vous assure que votre vie sociale change. Et moi aujourd'hui, c'est ce que je fais dans toutes mes interactions sociales. À chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, je me dis comment je peux ajouter du plus, faire en sorte que ma balance de valeur devienne tellement positive que les gens loquent ma valeur comme quelqu'un de haute valeur sociale. Et ensuite, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple sur le court terme et c'est tellement aussi plus simple sur le long terme. Et je vous encourage évidemment à faire ça sur vos activités professionnelles, sur les nouvelles personnes que vous rencontrez dans un groupe social dans lequel vous allez rester pendant un petit moment. Parce que là, vos interactions sociales, la façon dont les gens vont vous percevoir, ça ne sera plus du tout la même chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, vous aurez vraiment compris qu'est-ce qu'il y avait derrière en fait le fait de faire une bonne première impression, comment ça fonctionnait. Donc si vous voulez travailler là-dessus, je vous ai préparé une formation qui est une formation fondation, ça s'appelle Hacker sa valeur sociale, où je vous donne 27 démonstrations de haute valeur pour ajouter du plus à votre balance de valeur. Et vous allez, alors je vous explique aussi, on voit en détail pas mal de choses dans l'introduction de la formation. Comment cette formation, elle va vous aider? C'est très simple, c'est que dans cette formation, je vais vous donner exactement pour chacun des DHV comment les hacker, c'est-à-dire comment les démontrer rapidement dans différents types de situations. Je vous expliquerai aussi comment les maîtriser, c'est-à-dire comment sur le long terme, vous allez pouvoir faire que ces DHV soient en vous, que ces DHV, voilà, vous les maîtrisiez complètement et que vous n'ayez même plus quasiment à y penser. Et je vous donnerai aussi des routines sociales automatiques, c'est-à-dire des situations très précises où vous pouvez directement, enfin quelles sont dans différents types de situations, l'enchaînement de DHV que vous pouvez faire pour pouvoir démontrer de la haute valeur sociale. Donc voilà, si vous avez envie de donner un nouvel élan à votre vie sociale, c'est une formation vraiment fondation et vous avez aussi les 27 fiches DHV que vous allez pouvoir imprimer où je vous ai tout résumé et comme ça vous allez pouvoir les avoir vraiment sous les yeux sans devoir forcément toujours revenir à la formation et selon moi, il faut quasiment les savoir par cœur. C'est quelque chose
chose d'un petit peu extrême, à partir du moment où vous avez fait ce travail, c'est exactement le même travail que quand vous êtes capable de mettre en place des habitudes dans votre vie. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. La formation est dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.